Bonjour et bienvenue de nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais encore vous faire une vidéo sur le bac de français, mais cette fois, ça va concerner l'oral du bac de français. Je vais vous montrer comment réviser les textes de l'oral. J'ai l'impression que réviser l'oral, c'est plus compliqué parce qu'on a beaucoup plus de textes, c'est très dispersé et c'est compliqué d'apprendre un texte, d'apprendre les analyses. Donc il faut aussi trouver la bonne méthode qui correspond. Donc au cours de l'année, j'ai essayé plusieurs techniques, mais j'ai vite trouvé ma méthode qui me permettait de réviser efficacement l'oral, enfin les textes de l'oral en tout cas. Donc je vais vous partager ma méthode maintenant et j'espère qu'elle va vous être utile. Ce que j'ai commencé à faire pour réviser, une fois qu'on a fini le cours sur un texte, c'était tout de suite de réimprimer une deuxième version de ce texte pour pouvoir écrire dessus, puisque le texte que le prof nous donne, il doit rester vierge pour le jour de l'épreuve. Mais moi, j'ai plutôt du mal à prendre un texte si je peux pas noter dessus, si je ne peux pas le voir visuellement et si je ne peux pas mettre mes petites informations, mes petites notes. Donc à chaque fois qu'on finissait d'étudier un texte en classe ou qu'on finissait une séquence, j'imprimais les textes avec souvent une interligne plus épaisse, avec plus de place pour pouvoir écrire, afin de mettre mes petites notations. Donc je vais vous montrer maintenant comment je note sur le texte que j'ai imprimé. Ok, donc voici mon texte, c'est ma lecture linéaire numéro 19, c'est un extrait d'un fil à la patte de Feydeau. Donc c'est du théâtre et souvent le théâtre c'est assez long, on a souvent deux feuilles, voire trois feuilles. Donc vous voyez bien que je l'ai imprimé vierge et j'ai fait une interligne assez espacée pour pouvoir écrire. Donc je vais m'inspirer de mon cours. Ça, c'est mon cours là-dessus, c'est ma prise de notes sur ce texte qu'on a fait en classe. Donc moi, mon cours, c'est ma prise de notes. Certains, je sais que c'est des profs qui impriment les analyses, ça dépend. Et je vais reporter en fait les analyses de mon cours sur le texte. Et je vais aussi penser à noter la problématique et les mouvements que je note souvent en haut ici pour, comme c'est le début, ce soit visuel. Et ensuite, je vais reporter mes analyses. Et bien sûr, je vais me munir de beaucoup de fluo et de stylos pour que ce soit visible, que j'ai des couleurs et que ce soit beaucoup plus simple pour après. Là d'abord, je note la problématique et les mouvements. Puis, je vais noter les lignes puisque j'ai oublié de le faire avant. Et je vais commencer à mettre du fluo et à analyser mes parties. Je regarde sur mon cours, je plie mon cours, je retourne sur mon cours, je réfléchis, je mets du fluo partout. Voilà, et je vais faire ça pour toute ma feuille. Ok, donc je viens de finir, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ça donne quelque chose comme ça. Voilà. Donc ici, j'ai bien mis ma problématique, j'ai mis mes mouvements ici. Puis j'ai mis des couleurs et j'ai noté les informations importantes, les analyses. Ici, je dis voilà, là, il y a du comique, le personnage qui parle une langue, qui parle mal sa langue, etc. Là, donc on a une grande didascalie, donc c'est plus difficile à analyser quand c'est très long. Donc j'ai un peu tout pris comme ça. Voilà, là on a le coup de théâtre à la fin, c'est un peu le truc le plus important, donc je l'ai mis en fluo vert, la couleur la plus visible. Maintenant qu'on a fait notre texte, on va pouvoir s'entraîner dessus. Ce que je fais d'abord, c'est que je le relis plusieurs fois dans ma tête pour essayer d'intégrer les analyses dans ma tête. Puis une fois que je pense que c'est bon, je fais l'analyse à l'oral, donc je le lis à l'oral. Et j'analyse, mais bien sûr, il y a les mots écrits dessus, donc en fait, j'ai juste à lire à l'oral en faisant comme s'il y avait un jury devant moi. Donc en fait, je lis pas, j'essaye d'expliquer bien. Et en fait, en expliquant nous-mêmes, bah, ça va faire intégrer les informations dans notre cerveau. Et après, une fois que vous sentez que c'est bon, vous pouvez essayer de faire l'analyse, mais sur le texte vierge, sur le texte où il n'y a pas plein de petites notes comme on vient de le faire. Je le mets maintenant dans mon classeur avec tous mes autres textes. On peut voir tous ceux que j'ai fait avant. Il y en a certains, il y a plus d'informations. Certains, il y en a un peu moins. Certains où c'est complètement le bazar. Mais au moins, ça m'aide à réviser beaucoup plus efficacement.
En tout cas, j'espère que ma vidéo vous a aidé, que vous a été utile et que vous allez appliquer mes conseils. Chacun a sa méthode de travail, a sa façon de réviser, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont une mémoire visuelle et donc ça peut être beaucoup plus facile. Alors, si ça vous a plu, vous pouvez liker, vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos. Je vous souhaite bonne chance pour la suite de vos révisions et je vous dis à bientôt.